Non, non, mais moi personnellement, mon approche hein, de ça, c'est ce qui fait que je vous ai mis vraiment en tête de liste c'est pour les interviews, c'est que, en fait, Slade, c'est le trait d'union. Pendant très longtemps, en Angleterre, on a dit que le meilleur groupe de cover de Slade, c'était Oasis. Pendant très longtemps, ça a été dit comme ça. Oasis. Il y a toute une génération qui dit Oasis, c'est un cover de Slade. Dans la deuxième période, je peux pas avoir un avis là-dessus, j'ai pas leur âge, tu comprends. Mais grâce à Oasis, les mecs ils se sont tournés vers Slade, les petits jeunes. Et mon fils par exemple, qui était fan d'Oasis, il a découvert Slade grâce à Oasis, tu vois. Parce que moi je lui ai dit, putain, ça sonne comme Slade, ce morceau. Ce passage-là, là, tel riff de guitare, ils m'ont pompé, ils m'ont samplé, ou je sais pas quoi. C'était pas samplé, c'était juste que... Et les frères Gallagher, en interview, ils s'en cachaient pas. Ils disaient, nous, notre influence, c'est Slade. Non, je ne savais pas, parce que j'aime pas Oasis, donc je me dis, non, j'en suis pas. Je suis pas fan de tous leurs morceaux, mais il y en a quelques-uns, honnêtement, le son de guitare, ce qu'ils vont chercher, comme le grain, tout ça, tout ça. Oasis, ce qu'ils vont chercher, comme le grain, ou guitare, ça ressemble à ce qu'ils, franchement. Je me suis programmé à Marshall. Une guitare sonne comme tu veux. Forcément, si tu fais bling. Ah oui, oui, si tu tapes un coup, bah non, c'est vrai, si c'est vrai que tu peux prendre des attaques. Voilà, ouais, si tu prends un gramme, par le médiateur, là tu l'attaques la guitare. Tu prends une capsule de canette. Non, mais j'ai fait un début de tribute Queen et je m'étais procuré des pièces de 20 centimes. Je n'avais pas la moyenne, mais j'ai eu l'honneur avec laquelle j'ai joué l'année dernière. Et l'honneur avec une marque du logis. Et j'ai pris des pièces de 20 centimes de francs. Oui, ouais, je vois très bien. Qui a un rebord dessus. Oui, je vois très bien. Qui fait tout le tour. Putain, ça attaque la corde. Et tu vois le. Ah bah, t'as même pour la booster des cul, là. Tout de suite. Mais... Et donc, je ne l'ai même pas encore essayé, mes pièces de 20 centimes, mais je ne les ai pas encore essayées sur la moyenne. On me l'a payé. On peut pas les scatter. On me l'a payé au module. Tu peux t'habituer avec les marteaux aussi, tu verras, ça fait jouer. Non, mais ça donne vraiment le. Je comprends. Même avec une autre guitare, ça sonne. J'ai fait exprès de vous choquer avec la comparaison Oasis. Non, il n'y a pas de souci, pas de mais c'est pas des conneries. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai entendu ça. J'ai réécouté. Moi, Slade, j'étais plus premier avec ça. Moi, j'avais 12 ans, 12 ans. J'avais 45 ans, j'étais en Angleterre. Mon correspondant, il écoutait ça. C'est bon, c'est ça. 64. Ah, voilà, tu vois. J'étais biberonné avec ça. Biberonné. Donc, forcément que ça me parle. C'est que j'ai écouté. Cause I Love You, putain, c'était le truc, j'écoutais ça en boucle. C'était le premier hit. C'est ça qui les a fait des trucs. Oui, c'est ça. Jusqu'en 92, où Mozzie Ozer, il est pareil, c'était vraiment un problème. Je sais pas, il n'y a rien de noté, enfin, je sais pas. Il est parti en 92, après, c'était la raison des chanteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement. En Angleterre, c'est pas seulement du. Pardonnez-moi, mais c'est pas seulement la passion de la musique, c'est aussi du business. Généralement, le leader du groupe, c'est le businessman. C'est lui qui gère les finances du groupe. Tous ceux qui tournent. Et le leader, c'est pas, pas forcément le. C'est pas toujours. Le Captain Queen, c'était Freddie Mercury, le frontman. Et ça a toujours été moi. Tout à fait. Mais c'est lui qui tient les comptes, c'est lui qui fait rentrer les sous, qui paye donc les sous aux autres et tout ça. Tu vois, c'est pas. Les trois quarts du temps. Il n'y a pas de tourneur. Les tourneurs, ça arrive qu'après. Le trader, il est de son côté, le chanteur. Mais quand tu prends la bonne idée, c'est d'or, le chanteur est légitime. Il va pas te remplacer. Mais moi je le fais pas, de toute façon, je ne fais pas d'imitation. Ah ouais, je vais le dire, je ne fais pas d'imitation. J'ai entendu que tu vas me le dire. Je ne fais pas d'imitation parce que si j'essaie de reproduire ce qu'il fait, bousille la voix. C'est ça. Je sais que tu as une voix qui est criarde et arrachée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, je l'ai pas. Ça sonne bien, moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pris le son. Mais on a pas l'intention de faire. Non, c'est vrai. Les notes. Non, moi, personnellement, je ne fais pas les notes. Comme tu sens, j'interprète les deux autres. Voilà.
j'ai bien compris. Moi, je fais parce que moi, j'essaie de me coller au maximum. Moi, j'ai la structure, en fait. J'ai la structure. J'ai été guitariste, et je fais donc toutes les guitares qu'il puisse y avoir, je le fais. Et ça y est, c'est bon, vous êtes dedans. Mais maintenant, on va finir, c'est le moment. On est encore là, le public, il va vous tuer. Ah, non, on va manger. Ah, d'accord, justement, alors en plus, c'est mieux. Quand ils sont fins, ils sont plus. C'est moi, c'est alors, voilà. À chaque fois, je vous donne la question et je vais vous la donner en résumé. Vous me présentez prénom, instrument, prénom, instrument, prénom, instrument, prénom, instrument. Il y en a un de vous quatre qui dit et nous sommes les toc. Hop, fin de la première partie. Ensuite, je voulais vous demander la question suivante. Votre morceau préféré de Snake, pour vous c'est quoi? Pour vous c'est quoi? Pour vous c'est quoi? Pour vous c'est quoi? Ensuite, qu'est-ce que c'est pour vous qu'est-ce que c'est pour vous jouer du Snake? Et là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Jouer du Snake, c'est pas faire les notes exactes, c'est comment on le sent, tu vois, et puis nous on sent comme ça. Moi j'ai toujours fait le premier morceau. Tu vois, tu prends très bien. Après, je fais un deuxième son, toi tu dis, je pense qu'il y a de la base. La condition. Moi je pense qu'il faut rester sur la ligne, sinon le morceau, il ressent peut-être moins. C'est dommage. Voilà. Parfait. Moi je le vois pas. Ouais, ça un pec. Tu vois, c'est ces deux trucs-là. Ensuite. Ce qu'il y avait. J'essaie de le faire sur ce qu'il y avait sur le disque. Moi non. Je mets de moi dedans, mon coup de médiateur, mes notes. En faisant attention, je précise, en faisant attention, en respectant que ça sonne bien et en respectant l'origine. Bien sûr. On a, pour résumer bien, bon, voilà les questions que je vais poser. Donc, moi, ma voix, vous pouvez reprendre ma question. Dire par exemple, moi, quand je dois jouer un morceau de Slade, c'est bon, tu vas me penser. Et donc j'ai toujours joué de la même manière. Je prends un morceau, j'essaye de le comprendre, et de le restituer tel que je l'ai compris. Parfait. Alors, j'ai déjà deux personnes qui vont répondre sur la façon d'interpréter. Est-ce que vous sentez sur quelque chose vous deux là-dessus? Moi, j'ai pas de problème, je l'ai fait. Je garde ma propre voix. Bon, j'essaye aussi quand même de parler un peu avec l'esprit du chanteur de scène. Et la voix, je ne limiterai pas. Ça va, c'est impeccable, c'est sensationnel. Ensuite, la question suivante que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir en vrai si, vous avez vu à ton groupe de Pops, tu as juste ça. Ah, en vrai. À ta Pops, YouTube. Ouais. Bah c'est énorme déjà. Oui, c'est vrai, par rapport à avant, on n'avait rien. Dans les années 70, on n'avait rien du tout. On n'avait plus même pas quoi apprendre la guitare. On n'avait pas de support avec les vidéos, les VHS, etc. C'est vrai. Ça vous dirait, si c'est ça même qui peut dire que c'est, avant, ça vous dirait tant de les voir. De les voir. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Personnellement, oh, oui, j'ai été les voir, ils ont passé à Arras. Tu pourrais dire ça. Le problème, c'est que c'est plus bon, ça va. Ça va. Donc voilà mes questions. Voilà mes questions. Et puis, dernier truc, des projets. Avant dernier truc, des projets. Quels sont vos projets pour les mois à venir? Si vous avez des choses, Ça fait un an qu'on va ressortir les morceaux en studio. Sortir un CD de promotion pour nous. On a enregistré ça. On va le finaliser avec la base de. Je préfère écouter les originaux que ce qu'on fait. Mais non, pour l'instant, ah oui, 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 oui. Parce qu'on avait déjà. C'est rassuré. On avait discuté mercredi dernier. Ah si, je vais pas enregistrer un CD pour m'écouter. On a changé de méthode. Oui. Et on l'a fait un enregistrement. Ah ouais, et donc le signe n'est pas dedans, ça monte bien. Après pour les âmes, on va voir avec Carole, c'est 44 les âmes. C'est moins authentique, c'est sûr. C'est sûr.
On va être obligé de mettre un nom de bassiste alors que celui qui joue. Non, tu peux pas. Non, mais il va refaire. C'est pour ça qu'on va refaire les trucs. J'ai compris. S'il y a encore le temps, ce qui importe, c'est que tout le monde a dit ce qu'on voudrait dans l'émission. Que j'ai fait un petit peu de démarchage. Qu'est-ce qu'on voudrait dans l'émission? Parce qu'ils nous disent tous qu'on voudrait savoir sur quoi ils jouent, tout ça. Donc, brièvement, telle basse, tel modèle de basse, tel modèle d'ampli.